l'éducation, il disait que le corps, on n'était pas une, vraiment une entité, mais on était en fait un écosystème qui était en relation énormément avec. Enfin, je dirais qu'il n'y avait pas de barrière vraiment, et on était plein de bactéries qui elles-mêmes nous nourrissaient, se nourrissaient de nous, etc. Est-ce que le fait de ne plus se nourrir, justement, solidement, continuons à nous faire vivre comme un écosystème. Nous serions composés de beaucoup plus de bactéries que de protéines, que de cellules. On parle de 70 milliards de cellules pour composer un corps humain, mais on parle de 10 fois plus de bactéries. Nous sommes infiniment plus dans un milieu bactérien que de cellules pures. Que deviennent ces bactéries s'il n'y a plus de nourriture solide ? Eh bien, on parle en médecine de lumière intestinale. Alors on va dire, la lumière intestinale, c'est le calibre de la tuyauterie. La lumière est petite si vous avez un petit tuyau, plus grande si vous avez un plus grand tuyau. Mais ça renvoie à la notion de la lumière, sinon on appellerait ça espace, calibre, diamètre. On va parler de la lumière, sauf que la lumière, elle ne passe pas, puisque à l'intérieur, c'est un milieu clos. À l'intérieur, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Il faut mettre une sonde avec une caméra. Hein, si vous allez dans l'œsophage, bouche fermée, même bouche ouverte, il y a les clapets. Dans l'estomac, on ne voit pas. Donc ça renvoie à quelque chose de plus subtil. Et ce plus subtil ferait l'objet d'études de recherche médicale actuellement et qui aurait mis en évidence, je n'ai pas la référence mais je l'ai lu, que même chez la personne qui ne mange plus solide, il y a bien sûr des bactéries et que ces bactéries en fait procèdent comme les arbres de photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles captent, parce que quand vous respirez, quand vous buvez de l'eau, quand vous déglutissez la salive, vous avalez de la lumière qui est dans l'air. Et les bactéries intestinales se nourriraient de ces particules de lumière, de ces photons, comme les arbres, et produiraient à partir de là de la protéine, donc assureraient par métabolisme la survie du corps, la stabilisation du corps. Et c'est comme ça qu'on explique qu'en 1969, la NASA a stabilisé la fonte musculaire et osseuse avec une exposition lumière chez les astronautes. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que dans certains milieux quasiment hostiles au très fond des abysses, dans des zones sulfureuses, il y ait de la vie et il y ait une autre forme d'écosystème qui se soit mis en place, in fine, qui n'est pas celui qu'on pensait être comme une fondamentale et une vérité, parce que ce que j'ai appris à l'école toute ma jeunesse, c'était qu'il fallait de la lumière, de l'oxygène, etc. pour vivre, et on s'est aperçu au fil des années, en sondant les mers, qu'en ne donnant pas tous les éléments qui étaient pourtant essentiels et vital, on peut arriver à d'autres écosystèmes. Mais vous prenez l'aloès. L'aloès, vous la suspendez dans un placard au plafond. Donc il n'y a pas de source d'eau. Il n'y a pas de racines qui vont se plonger dans l'eau. Il n'y a pas de terreau qui va les donner des nutriments. Il n'y a pas de soleil puisque le placard est à l'ombre. L'aloès pousse spontanément sans rien. Mais il capte quoi? Il capte le prana. Il faut de la chaleur. Ouais. En botanique, on sait que sur les feuilles des arbres, il y a des bouches. Des micro-bouches qu'on appelle les stomates. Et les stomates, il y en aurait entre 50 à 500 par centimètre carré. Et ces micro-bouches, elles captent la lumière. Comme elles captent l'azote, bien sûr, les botanistes ont mis ça en évidence. Et c'est comme ça que les arbres vont pomper sous terre avec les racines, mais vont beaucoup pomper avec les feuilles. Et je suppose que les résineux font pareil sur les épines, les aiguilles doivent y avoir la même chose. Parce qu'on m'a déjà posé la question, oui, mais les résineux. Tu disais tout à l'heure à l'exposition, tu dis oui, mais il faut du soleil. S'il faut pour la lumière, il faut du soleil. Et en fait, j'ai vu que les arbres, par exemple, tout le haut de l'arbre servait à protéger le reste. C'est-à-dire que l'eau de l'arbre, c'était simplement une protection, il y avait toutes les feuilles qui étaient dessus, et c'est tout le reste qui faisait la photosynthèse. Mais en direct avec le soleil, il ne le faisait pas.
Alors ça, ce sont des particularités, parce qu'en réalité, la lumière, elle est partout, et même quand il n'y a pas de soleil. Voilà. Quand vous allez, si vous, quand vous êtes dans un placard ou dans la nuit, vous avez les volets fermés, la porte fermée, vous n'êtes pas au soleil, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir. Mais dans le noir, il y a de la lumière. Ce n'est pas la lumière qui permet de voir, c'est la particule de lumière qui enrichit l'atmosphère. D'accord. Mais c'est pas, on ne parle pas en termes de visibilité, on parle de composition. C'est la même